C'est parti, top départ, à vous Tom. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue au restaurant Mas de Boudan, donc chez monsieur Jérôme Nutil. Donc on est heureux de vous accueillir ici, donc pour ce déjeuner. Donc monsieur Jérôme Nutil, un chef qui possède également une étoile Michelin, qui est meilleur ouvrier de France 2011, qui a donc toujours été entre guillemets dans le Gard, étant donné qu'il a fait ses études à Nîmes, et donc qui a pu vraiment parfaire ses armes dans différentes maisons, donc l'abbaye de Sainte-Croix-du-Mont notamment, donc qui est Relais Château, ainsi que la maison Chabichou, donc deux étoiles au guide Michelin à Courchevel. Il travaillera également avec Gilles Goujon, donc trois étoiles au guide Michelin, chez Monsieur Georges Blanc, pardon, trois étoiles au guide Michelin. Et il ira également découvrir une autre culture en Uruguay, donc avec El Punto des ST, donc pourra vraiment apporter une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de travailler. Donc ici, on est réunis dans le cadre de la journée de l'agriculture, donc dans l'esprit vraiment de découverte. Est-ce que notre maître d'hôtel a été plutôt clair sur le menu ou vous avez quelques questions? Très bien. Est-ce que l'eau sur table vous suffira ou vous souhaitez peut-être en changer, partir? Très bien, parfait. On va pouvoir débuter, hein, si vous le permettez. Est-ce que vous souhaitez plutôt partir sur différents accords de différentes régions, dans l'esprit toujours de découverte de cette journée, ou plutôt rester... Bon, merci beaucoup. On va pouvoir débuter donc sur ces premiers canapés, donc avec une trame toujours sur ce côté très croquant, très croustillant, avec la générosité du chef. Donc ici, pour moi, un accord s'impose, un champagne donc de la maison de Souza, qui travaille tout en bio, biodynamie. Un champagne de vigneron. Ici sur leur cuvée réserve en grand cru blanc de blanc, 100% chardonnay sur la mention extra brut, des bulles très fines, une belle fraîcheur, de la finesse, ici justement qui ira jouer avec ce côté très croquant, très acidulé. Va également venir jouer sur une note très minérale qu'on va pouvoir retrouver avec la crème de sardine, on va également jouer avec la fraîcheur de la sauce tartare qui va accompagner le chromeski. Ici on va être vraiment sur la minéralité, la fraîcheur. Ça vous convient? Ça vous plaît? Ah, parfait. On va poursuivre donc sur le prélude gourmand avec la panna cotta de foie gras, ici associée donc à ce canard, donc le canard qui va travailler en tartare, mais également avec le magret fumé, qui va apporter donc la finesse, avec le foie gras ici, qui va apporter le côté très, très moelleux, très onctueux. On va retrouver également un jus épicé, donc qui va apporter toute la gourmandise, le côté très, très, vraiment très gourmand. Donc ici, je partirai dans le Jura, sur l'appellation Arbois du domaine Fumé Châtelain, en 100% chardonnay. Donc on est sur un vin houillé, hein, avec une belle rondeur, qui viendra justement se fondre un petit peu dans cette panna cotta de foie gras, tout en ayant ce côté un petit peu puissant qui viendra jouer avec le canard et le magret de canard fumé. On garde donc justement la structure qui viendra un petit peu s'associer avec la texture de la sauce, à base de porto qui est épicé. Donc on va rester sur cette gourmandise. Et on a également un pain qui l'accompagnera, donc un pain feuilleté aux olives. Et ce pain est vraiment également très généreux. Et donc je pense que c'est un vin qui aura la capacité de sublimer l'ensemble de ce mets. Après, si vous souhaitez partir sur un accord un petit peu plus atypique, je resterai sur la même appellation, Arbois, de chez Monsieur Stéphane Tissot, en millésime 2003, sur sa cuvée Savagnin, donc, qui est houillée pendant 6 mois et ensuite élevage sous voile pendant 2 ans et demi, qui va développer ses notes un petit peu de noix et de pommes Granny Smith. Et donc ici, on va venir un petit peu... compléter le profil aromatique tout en gardant une belle fraîcheur qui viendra se fondre un petit peu dans l'ensemble de ce plat. Est-ce que ça vous convient? Parfait, merci beaucoup.
On va poursuivre donc ici avec la première entrée, cette fois-ci. Donc l'asperge verte déposée sur sa papaye, donc, qui va porter toujours l'esprit de gourmandise, donc la philosophie du chef, hein, avec donc cette langoustine qui a été juste cuite à l'eau pour garder une belle tendreté, le côté salin, iodé, avec une tartelette d'asperge où cette fois-ci on va avoir ce petit côté croquant. Et enfin, un espuma de fèves de tonka qui va apporter la légèreté, le côté très aérien. Donc ici, je reviendrai un petit peu dans le secteur, avec un IGP Côte Catalane du domaine du Roc des Anges, donc sur la cuvée Loca, une cuvée parcellaire, donc en assemblage de grenache blanc, grenache gris, macabeu. On va avoir cette note un petit peu végétale qui rappellera l'asperge, tout en ayant ces notes très, très salines, qui reviendront jouer un petit peu sur cette langoustine, avec une belle fraîcheur. Donc sur la tartelette, il va y avoir un voile d'agrumes qui justement fera écho à cette fraîcheur. Donc je trouve ça très intéressant. On est sur un domaine qui travaille également en bio, biodynamie. C'est aussi quelque chose qui nous plaît chez eux. Donc qui permettra justement de sublimer ici cette entrée. Donc on va poursuivre avec le poisson, le côté un petit peu chaud-froid, donc ici en plusieurs temps. Le loup, donc on est originaire de la Méditerranée. Pour le coup, j'aimerais revenir chez moi, dans le Muscadet Sévremaine, sur le cru gorge, le domaine Michel Bréjon, chez Monsieur Fred Laillé, dans lequel j'ai eu la chance de travailler pour mon stage vigneron, qui est en bio, on est en cépage melon de Bourgogne, hein, le cépage national du Pays Nantais. Ici, un élevage sur lit de 2 ans qui va apporter une belle rondeur sur ces muscadets qui va venir jouer un petit peu avec le côté charnu du loup et le côté un petit peu crémé de la sauce cresson et moule tout en ayant ce petit côté salin iodé. Comme on est sur un climat océanique dans le Pays Nantais, on va retrouver un petit peu ces notes là. Ça vous plairait? Oh, parfait. Si vous souhaitez également partir sur un accord un petit peu plus atypique, je peux vous proposer juste un verre de saké, de la maison des Larmes du Levant, première maison de saké située dans le département de la Loire, sur la cuvée La Vague, des notes très iodées, avec toujours cet aspect très fermentaire que je servirai à température sous-oubier, qui signifie en japonais « frais comme la brise », à hauteur d'à peu près 15 degrés. On va garder justement une belle fraîcheur, une belle tension, qui viendra toujours se fondre dans ce mets. Ça vous convient? Ah, parfait. Donc on va poursuivre avec la côte d'agneau de Provence, qui est frottée à la moutarde, avec un jus d'agneau. On retrouvera également une déclinaison autour de la mousseline de pois, de pois chiches et d'artichauts. J'aimerais revenir dans le Languedoc avec un terrasse du Larzac, du Mas de la Serranne, sur le Clos des Immortels, qui travaille tout en bio, en assemblage de grenache, mourvette, syrah, carignan et cinceau. Donc, le Clos des Immortels, un clos entouré de pierres sèches qui permet de capter la chaleur et de la redistribuer la nuit, et qui va permettre de garder une belle fraîcheur, une belle maturité des raisins, des tanins qui vont venir se fondre dans la tendreté de cette viande, tout en apportant le profil aromatique autour du cassis, de la mûre, un aspect aussi très minéral sur des terroirs de schiste à 300-400 mètres d'altitude, qui vont venir un petit peu jouer avec la deuxième partie du mets, l'espuma et le filet d'agneau. Un espuma autour de l'ail également. Donc on va vraiment venir se marier sur cette puissance. Ça vous plairait? Good morning, Tom. Sorry, I don't speak French. I must tell you that I love a lot the sparkling wines. Do you think it's a good idea to pair a sparkling wine with this main course? And if yes, what type of wine would you suggest? If you want, you can take a sparkling wine. A pink sparkling wine, champagne of Bilkar Salmon, pink champagne with a lot of freshness,
typical aromas of red red fruit. It's very interesting for this dish, but thank you. I will have a second question, but later on. Thank you. Donc on va pouvoir venir conclure donc avec donc un dessert donc très exotique avec des notes très gourmandes, très sucrées, tout en fraîcheur. Donc ici un ananas avec un parfait glacé aux fruits de la passion et un baba imbibé au vieux rhum avec un espuma coco, donc qui va porter ici vraiment la finesse, la délicatesse. Donc je partirai ici sur un Jurançon, donc dans le sud-ouest, de chez Monsieur Charles Ours, donc sur sa cuvée roulant en millésime 2017, cépage petit gourmand 5. Donc Monsieur Charles Ours, qui a commencé en 1983 sur le Clos du Roulin, un clos de 3,7 hectares, et qui aujourd'hui travaille avec sa fille dans le domaine et cumule en tout 19 hectares de vignes. Donc un grand vigneron qui mérite d'être apprécié. On a ce vin moelleux, mais qui possède tellement de fraîcheur que on a moins ces sucres résiduels qui justement viendront se fondre dans ce dessert. Et justement, la fraîcheur va venir rappeler le côté parfait glacé et le Jurançon qui est sur des notes de fruits exotiques, justement. Donc pour moi, c'est vraiment l'accord parfait ici, si vous voulez bien me suivre. Ah, parfait. Merci beaucoup. Et donc, pour conclure, peut-être une boisson chaude. Donc, on va travailler avec donc la brûlerie des Cévennes pour nos cafés. Donc, on va voir l'Éthiopie avec donc le Mocha Ara, un grand cru d'Éthiopie tout en puissance. On peut également aller, si vous le souhaitez, en Colombie avec une trame légèrement plus acidulée. Donc, cette fois-ci, qui va être EJP. Donc, avec le Supremo, ou alors plus léger, le Brésil, donc le Sul del Minos. On va également travailler avec des thés, donc de la maison Georges Canon, qui travaille en feuille entière, on met une belle expression, qui va décider de les fumer ou non, avec également une trame aromatique. Donc je reviendrai avec une petite boîte pour faire la sélection avec vous, si vous le permettez. Et enfin, on va avoir les infusions. Donc les infusions de notre jardin, donc avec l'infusion verveine, menthe, tilleul, romarin, sauge, qu'on pourra assembler ou non selon vos désirs. Et enfin, si vous souhaitez terminer sur notre terrasse avec un cigare français, donc le Navarre des Midi-Pyrénées, qu'on pourra, si vous le souhaitez également, accorder avec un digestif. J'aimerais, pour venir conclure, revenir chez moi avec la maison Distilloir, donc une toute petite maison à Nantes, sur le rhum 5 sens, donc un spice, qui va justement avoir cette note très épicée, qui est vieillie, donc qui est finie plutôt dans des fûts de chenin moelleux lucoreux du Val-de-Loire, qui va apporter ces sucres résiduels, mais très légers, subtils, et qui iront se marier justement avec le côté tabac du cigare. Well, thanks a lot. It was nice. Well, we are leaving Nîmes tomorrow morning by train, and we have a time, more or less, 3 hours to waste. Is it a specific place to visit, maybe in the city or around in the vineyards? I don't know. In Nîmes? Yes, or around. Yes, you have different estate wine of une Costière de Nîmes. Yes. It's a great appellation of Vallée du Rhône. You have a different vineyard if you want to visit. Thank you. Thank you too. Merci à vous. Merci de votre écoute. Madame, bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. J'invite mes amis à déjeuner. Pouvez-vous servir le vin rouge que j'ai commandé, qui se trouve à votre droite, et nous le décanter et le servir, le tout sans commentaire.
Merci. Le château Légus, donc sur l'appellation Gaillac en 2007, sur la cuvée spéciale.
Il vous reste 10 minutes. Monsieur, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Je viendrai vous resservir dès que besoin. Merci. Merci à vous. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci. Je vais procéder à l'analyse de ces deux vins ainsi que de ces spiritueux. Donc, je vais débuter par le vin blanc, enfin par le présumé vin blanc. Donc, la robe est jaune paille au reflet délicatement doré. Le tout est limpide, brillant. Donc il peut s'apparenter à un signe de bonne santé. Il n'y a pas de défaut apparent. Le disque est fin. Les larmes sont mi-grasses, tombent en ruban. Donc on semble ici être en présence d'un vin blanc en bonne santé. Le premier nez est franc. Encore une fois, il n'y a pas de défaut apparent. On est sur des notes de fruits jaunes, un petit peu confits. Des notes un petit peu également de fleurs jaunes. Après aération, le nez il se dévoile, donc toujours sur les premiers arômes énumérés. Donc on gagne en intensité. On est sur des arômes d'abricot.
de fruits blancs également très frais. Un petit peu de poire. Avec toujours l'aspect fleur jaune qui vient ressortir. Finalement, des notes un petit peu noisetées. L'attaque, elle est franche, avec une belle fraîcheur, donc portée sur les mêmes arômes qu'on avait au nez. On a une belle harmonie. Donc, toujours ces notes un petit peu d'abricot, de poire, de fleurs blanches, de fleurs jaunes, pardon, avec un aspect minéral qui fait son apparition. On a une belle rondeur qui apporte toute la gourmandise et on vient terminer sur de très jolies amères. On a une belle persistance aromatique de 5 à 6 caudalies. Donc ici on s'embête sur un vin plutôt jeune, qui est prêt à boire, mais que je conseillerais de garder en cave encore 5 à 6 ans. C'est un vin donc actuellement que je préconiserais de carafer, afin de développer vraiment tout son potentiel aromatique et de servir aux alentours de 10-12 degrés. Donc c'est un vin qu'il faudrait servir dans des verres Riedel universels, hein, donc afin de vraiment de rester sur ce développement aromatique. Il vous reste 3 minutes. Merci. Et donc c'est un vin qu'on pourrait servir avec un Saint-Pierre, par exemple, bon, avec la finesse de la chair qu'on pourrait retrouver, avec une sauce un petit peu noisetée pour revenir sur ces notes un petit peu. Donc, je vais passer au second vin. Donc on est sur une robe rubis avec des reflets violacés. On a une intensité colorante qui est peu présente. Le disque est fin, les larmes sont grasses et incolores. Le nez est franc, porté sur des arômes de cassis, de mûr. Avec un petit côté végétal de poivron. Après aération, le nez se développe, se concentre. Sur les mêmes premiers arômes, donc notre cassis toujours, de mûr. Petit côté également griotte. Donc l'attaque elle est franche, portée sur le côté très fruité, des tanins soyeux, fondants, une belle fraîcheur. Donc ici un vin encore jeune, pareil, je conseillerais de le garder 5-6 ans en cave, carafé, servir entre 18 et 20 degrés. Et ici, que je servirai donc pourquoi pas avec de l'agneau. Donc un agneau cube à cette température, juste revenu à la poêle saisie pour lui apporter ses notes un petit peu toastées. Et ici associé à un brocoletti pour revenir sur ses notes un petit peu végétales. Il ne reste qu'une minute, hein, Tom. Oui, merci. Ne perdez pas de temps. Je vais revenir, je vais finir sur les spiritueux. Ah, ok, merci. Donc juste ici, pour moi, on est en présence d'une liqueur, une liqueur de plante. Donc une chartreuse jaune. Et donc juste ici, une eau de vie. Pour moi, on est sur une eau de vie de framboise. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Tom.